Mon entrée vient d'un coulo-lo. Mon ben compte bancaire qui annonçait grand. Avec grand tapage. Il dit qu'il m'a un compte bancaire au Development Bank de Singapour et qui. Vous avez besoin de dire tout de suite, il y a une fausseté, un plus gros mensonge, là, donc on n'a pas le droit de faire ça. Il est totalement fausse, il est malicieuse. Pour commencer, vous avez besoin de dire deux. Vous ne pouvez pas grand serment, vous aussi, pourquoi ne la banque là, moi? Jamais vous faites mon aller dans la banque, dans un cas pour autant qu'il me rappelle, jamais. Pourquoi j'ai mon canal? Il y a longtemps, après depuis 2014, je ne vais pas me baser, moi. Si on ne peut pas me baser, pas me baser. Une seule fois, comme on sait qu'il y a un Covid, mon allonnel, mon retourne, c'est tout. Ouais. Pour commencer, sa banque commerciale, c'est un DBS là, c'est une banque commerciale pour un private banking, mon premier renseignement. C'est-à-dire, un individu qui est bien riche, qui est le wealth management, ou bien un investisseur. Qui ont environ demain wealth management, ce qui n'est pas tout du monde qui rentre là. À ce moment-là, on connaît le système bancaire à Singapour. Il est bien, bien strict ça. Il est rigoureux. Il est minutieux. Pas qu'on ait le bon compte dans Singapour. D'abord, je fais une vérification très extensive avant d'accepter l'argent des potes de qui. Surtout sur un PEP. PEP, vous connaissez ça veut dire « politically exposed person ». Vous connaissez combien, c'est comme on apprend, hein? Un dirigeant, une recherche extensive pour guetter que tout source d'argent était. Et les bouts du monde, mon recherche, ce que je me demande, les bouts du monde, mon évidence, que tout l'argent sorti, qui transaction les faire, qui fait les faire, mouvement dans le compte, tout ça, c'est du monde. Et on n'a pas. Je le désire, refuse plusieurs du monde, inclus les politiciens. Vous pouvez dire ici, mais dans les autres pays. Si vous avez moins de doute, même une nouvelle compte, si vous avez moins de doute, une transaction suspecte, de le faire mon compte. Si un petit peu envie de casser ce casse, il ne faut pas croire que c'est Singapour qui peut choisir pour le casser ce casse. Et parce que, comme on me dit, le système bancaire, bien, bien strict là-bas. Vous pouvez dire, aussi, quelle manière. Qui ne fait de demande aux autorités singapouriennes pour checkment. Qui s'en fait la demande là? Et à qui autorité je viens de faire ça? Est-ce qu'il y a une service mutual legal assistance? Est-ce qu'il y en a qui traité avec la Cour de Singapour, moi connais moi? Est-ce qu'il a pas de viol la loi mauricienne? Vous réalisez qu'il vient de faire là? L'immigration qu'il menti, loin de compte qui n'a pas existé. Qui investissait là qui pouvait mettre le casse dans offshore Maurice si du même promis qu'on est fait ouvert sur compte diamant d'affaires? Qui s'investit qui vous fait ça? Est-ce qu'il promis s'il a interféré? Qui manie la route? Ça, mais réputation Maurice, il viole le secret bancaire aussi. Si ça qui existait, mais il n'a pas existé. Il est clair qu'il est tellement désespéré. Il peut détruire tout lui. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut dire. Il est clair qu'il est tellement désespéré. Il est tellement envie. Salir ma réputation. Elle est sur le moment. Seulement, Dimoun connaît. Dimoun peut connaître, je connais faire la différence. Mon gardien, mon redialit, qu'il est absolument, mon dialit catégorique, il est absolument fausse. Je ne prends aucun compte dans Singapour, aucun compte. Jamais, je ne pas connaître une DBSA, qu'il n'y était, il n'y a pas été. Deuxièmement, j'ai fait l'India qui postait, il y a une property l'India. Valait 200 000 livres, il ne fallait pas connaître une faire foutre, sur une moule en gaz. 200 000 livres, c'est un chiffre dans l'Angleterre aujourd'hui. Hein. Et ça, je suis mon pénal. Mon pénal, aucune property dans l'Angleterre. Mon cas, j'ai eu ça. Mon cas, j'ai eu une affaire aussi. Pendant 10 ans, pas le rodé, l'au moins. Pendant 10 ans, pas le rodé. Il écrit, il m'a fait un rappel. Il écrit Serious for the Office. Il écrit même la mort, moi je travaille en Angleterre. Moi j'ai un compte d'un bancaire dans l'Angleterre. Parce que moi je peux travailler en Angleterre. Puis je finis écrit. Moi aussi, je suis pour bien la dame aussi. Il finit écrit Serious for the Office. Pour dire que t'as un coup, je suis pas dans mon Londres. Que t'as un coup qui est dans le qui est propre à là. C'est un guillemets qui m'a insumé, que de côté tout pour moi-même. C'est le fils écrit à Marguerite Anglais qui m'a aidé.
Le palais a fait écrit à moi pour dire à moi qu'il y a une demande pour check mon compte. Si je suis d'accord, il n'y a qu'un jour pour faire. Mais ça m'a donné envie de gagner mon compte. Tout de suite, mon signé, mon abonné, oui, je suis d'accord, mais mon compte, il n'y a aucun problème. Il faut tout ce qu'il y a pour fouiller. Sérieux pour l'office, sur le causé là. Pas les cas. Sérieux pour l'office. Et vous connaissez sérieux pour l'office qui ne répond pas. Après un bon moment, ça se va vous dire. Sérieux pour l'office, est-ce que vraiment vous gagnez pour un ministre 14 dans l'année parce qu'il peut gagner. Je prends une propriété en Angleterre. Pourtant, moi, je fais travail. Moi, je fais bon la paye. Moi, je fais marier. Et depuis ça, moi, je peux inverser. Mais mon cas, c'est où c'est ce soir-là, il est passé. Parce qu'il est dans la politique, il n'a pas envie qu'un jour, il me dise, bah, il a vraiment qu'à se faire cette propriété. Il me dit, je dois prendre une loan. Vous connaissez comme médecin en Angleterre à l'époque, vous gagnez 100% loan. 100%. Vous ne pouvez pas se 100%, parce que moi, je fais travail, moi, je suis dans savings. Vous ne pouvez pas se 100%, mais je gagne 100% aussi. Vous avez un camarade qui me dit, je vais gagner 100% de rapport, moi, je dis ça. Mon papa n'a pas envie que moi, rester tant qu'il est là, mon papa passe. Et mon papa, c'est un menacé. Donc, à la main, mention ce qu'il peut me causer, la veille élection, mon cas dire où, pour me redire tout fausse, ce qu'il peut dire, tout fausse, mensonge, le mensonge, pour aller me le moment là. Et mon cas dire aussi, qui me cause avec mon homme de loi, qui me prendre action, pour poursuivre et pour mise en garde et embaisser pour diffamation. Surtout, et je paye belle la monnaie là, hein, parce qu'il me cause la veille élection, dans une campagne électorale, une semaine avant l'élection, il y a ça, qui est capable d'affecter mon campagne. Et là, je ne sais pas quoi, ce fausseté qu'il peut causer. Donc, je paye, fatalement, je ne vais pas le faire deux temps encore, pour la belle lomance pour payer l'eau là, et pour mise en garde et embaisser, sans mon cas dire.